journal. Du côté d'Aix-en-Provence, il existe une personne qui s'appelle Monique Fayard. Elle accueille tous les week-ends des stagiaires pour une expérience de découverte de la Provence à travers la peinture. On se retrouve bien évidemment au bas de la montagne Sainte-Victoire. Jacques Cardoz avec Jean-Paul Chausset. La lumière déjà présente. C'est le début d'un week-end dominé par les couleurs. Un stage de peinture en extérieur face à la lumière réelle telle qu'elle est et non pas telle qu'elle est représentée sur photo. Monique Fayard commence donc ses cours par une visite d'Aix-en-Provence. Le lendemain, rendez-vous est pris à l'ombre des marronniers, devant l'atelier. Premier apprentissage avant de partir sur les traces de Cézanne. On travaille sur une feuille qui a une certaine mesure. Parce que lorsqu'on part peindre sur le motif, on se retrouve avec un paysage de plusieurs kilomètres, un mètre dans 50 cm, lorsqu'on est un petit peu désemparé. Voilà donc un prétexte au plaisir. Voir la région célèbre notamment pour ceci, la montagne Sainte-Victoire. Aujourd'hui, un couple d'Américains, une Brésilienne et une Aixoise ont décidé de se lancer un défi, imiter l'illustre peintre. Alors, il faut savoir que Sainte-Victoire, quand on peint, il faut peindre rapidement, parce qu'avec la lumière, elle change presque de forme et de couleur, c'est sûr. Alors là, en ce moment, elle est un peu dans les gris bleus. Une véritable course contre la montre commence. Une difficulté autant pour les amateurs que pour Paul Cézanne. Avant de saisir cette lumière qui métamorphose les couleurs, Cézanne s'y en était fait repris à 70 fois. Voilà qui laisse un peu d'espoir. Je pense que cette montagne, elle est tellement changeante qu'on ne peut jamais s'en lasser. C'est superbe. Je pense que c'est le plus grand plaisir qu'on peut avoir. Cézanne est l'un de mes héros, comme Van Gogh ou Matisse. Être ici, c'est comme vivre dans un tableau. C'est bien connu, ce qui est insaisissable attire. Pas question pour autant de faire du Cézanne en deux jours. Ce stage se limite au plaisir, celui des yeux. Ce n'est déjà pas si mal.